En venti sans eau. Je vais te dédicacer des gobelets Starbucks. C'est quoi ton prénom? Ariane et Amandine avec les fautes d'orthographe du Starbucks. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, nous sommes à Toulouse et le couple de youtubeurs, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben ils font du YouTube le matin. Moi je dors, toi tu montes. Voilà, je suis en train de faire mes petites 4-5 heures de montage comme tous les jours. J'ai extrêmement mal fait ma valise, mais vraiment genre très mal. Donc du coup j'ai pris un t-shirt à Seb. Après avoir pris son short, après avoir pris ses pulls. C'est moi qui te stylise? Ouais. Ouais, tu nous envoies l'adresse? Ok, pas de soucis. Je vous envoie l'adresse. Vas-y, à toutes. Hey, where did we go? Days when the rains came. Down in the hollow. Nous avons été conviés par notre ami Florian afin d'aller boire le thé. Tu te rappelles l'époque de notre vie où on nous invitait en soirée pour des gros shots et danser toute la night? Et maintenant, on nous invite à 17h pour boire le thé. Je vais vous faire ma spécialité, le shot. Citron, gingembre. C'est ma spécialité depuis hier. On est en train de faire une leçon Pokémon. Et t'as des Pikachu? Okay. Pikachu, alors il y en a un qui va te faire rire. Celle-là elle est marrante, c'est pas très rare, mais c'est le Pikachu d'anniversaire et tu marquais le prénom de la personne. Et pourquoi celle-là elle est stylée déjà? Parce que c'est une des plus rares au monde. C'est la plus recherchée en française, PSA 10. Parce que okay. C'est la préférée aussi déjà. Ouais, puis dans le cœur. J'ai l'impression que mon grand frère il m'a laissé venir dans sa chambre et il me montre ses jouets. Oh là. Ça te procure vraiment du bonheur? Ouais. Mais trop bien. J'avais rien quand j'étais petit. J'étais tout seul. Ouais, tiens, je t'offre ça, Léviator, ça veut dire quelque chose pour moi. Ah ouais? 9,5, c'est une bonne note en plus. Oh. Je vais le mettre dans Allez. Mon décor. Tu l'aimes bien, lui? Elle est incroyable. Ouais. Voilà. Merci, Flo. Petit cadeau. Michou au chômage. J'arrive. Chez moi, j'ai un tout petit musée. Et je vais la mettre dedans. La rend unique. Ouais. C'est la baguette qui a été utilisée par Alan Rickman dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. C'est une vraie baguette de tournage. C'est une des baguettes qui a été utilisée par Rickman dans le film. Elle a été tenue par Rogue lui-même. C'est ouf. J'espérais que ça bouge mes cheveux. Quand tu viens ici, que t'es fan de poké, c'est vraiment, tu peux y passer une heure. Quoi. Mais même quand t'es pas fan, moi je me suis bien amusé. Hein. Franchement, j'en ai visité plein des musées. Hein. Mais celui-ci... C'est la plus belle ville de France. Ouais, après Paris. Non, allez, regarde ça, sérieux. Dans les cuisines. Tu vas toujours dans les cuisines? Je sais que les oranges kiffent, dans l'ambiance. Salut Léna. Mais merci les gars. Avec plaisir. Merci. Ça veut dire que dans les cuisines d'un resto que t'as fait? J'ai fait que ça au mois de juillet. C'est vrai? On a fait que des restos tous les soirs et on allait voir les cuisines et féliciter les gens. C'est trop bien. Je savais pas qu'on avait le droit. Y'a du monde! Ouais. Ouh là là.
gâche pas, attends, c'est les bébés. C'est pas les bébés, t'es tout. Attends, c'est même Oli et tout. Sachez qu'il est au téléphone. Ça fait déjà bien grand. Non mais Wawad, qu'est-ce que tu fais? Mais la promo, il y a des concerts qui passent à ce moment-là. En plus, il a dit quel... Oh, Wawad. Maintenant, il va se passer un truc incroyable. Petit cours de beatbox par mes soins à Léna. Franchement, c'est facile, je te jure, c'est facile. T'es prête? Non. Franchement, facile de ouf. Dis biscotte. Biscotte. Petite biscotte. Petite biscotte. Petite biscotte. C'est pas mal, il y a même un début. On peut parler et moi genre on filme sur moi et on croit que c'est moi qui le fais. Vas-y, vas-y. C'est bon, playback, elle a pas... C'est bon, playback. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi mauvais en beatbox. D'habitude, le beatbox... Mais oui, c'est facile. Poche ta capuche. J'ai angoisse, du gars. Ah. Non. Poche ta capuche, ta capose et ta capuche. La consigne, pas du tout ça. Ouais. Ok, on a une abonnée qui pète ses 25 ans aujourd'hui. Joyeux anniversaire! Comme c'est son anniversaire, c'est elle qui nous fait un cadeau, ça n'a aucun sens. Mais par contre, moi, ma mère, elle m'a toujours dit de pas accepter les trucs des inconnus dans la rue. Donc tu peux te présenter vite fait pour qu'on soit plus inconnu. Salut, moi je m'appelle Marie. J'ai 25 ans aujourd'hui. Ouais! Wow, ça crame! Joyeux anniversaire! Passe une belle année! Et rentre pas en voiture. La bille d'alcool est à la modération, c'est très dangereux. Mon père, je me tire de moi, le gars. Je suis en date Tinder. Wow. Franchement, bah, votre premier date, vous avez l'air connecté déjà. Ouais. Ouais. Moi j'y crois, je mise sur vous. C'est super sympa. Je vais pas en vacances demain. Ah merde. On a un jeu qu'on a envie de lancer. Je prends toute la responsabilité, c'est moi qui l'organise au Capitole. Ok, très bien. Mais pour ça, il faut qu'on trouve une bouteille d'eau et du liquide vaisselle. Ouais, peut-être 3-4. Peut-être une serviette. Bon, moi je suis précaution. Ouais. Ouais, un peu frileux, il a raison. C'est vrai qu'on va déguster. Ok, liquide vaisselle, serviette, eau. Attention, il y a un vélo qui va très vite. Non, si vous voulez, moi je passe chez moi. Tu ramènes tout ça? Voilà, ça vous va ou pas? Oui. Ouais, c'est un maillot de bain de la marque Visionnaire, ça vous va? Oh oui, oui. Que Visionnaire? Visionnaire, grâce au code Visio-Nair, ça coûte 50% plus cher. Donc ne l'utilisez surtout pas. Le code s'affiche ici. L'utilisez pas parce que c'est vraiment plus cher, genre 50% plus cher. Mec, ça va être fou, c'est tout le Capitole. On est au Capitole. Tu me lâches pas? Non, je lâche pas. Tout ça sera un grec pour entendre les conneries. On peut leur dire ce qu'on fait? Ouais, mais je crois qu'ils ont compris peut-être, non? Là, c'est ventre glisse au Capitole. Regarde l'heure, 1h40 du matin. Ventre glisse Capitole. J'adore. Elles nous disent d'ajouter de l'eau plus loin. Et de savon plus loin. Et du savon, ok. Allez. Hey. Virgile. Il sort d'un mariage, il veut faire du ventre glisse. Attends, tu es sûr de vouloir t'embarquer là-dedans? Oui, on fais attention, hein. Ouais, comme ça, Toulouse, ça reste gravé. On ne doit plus jamais se voir. Ça va être dangereux. Pour le bien. Ça va finir par être dangereux. Je peux te dire, t'étais vraiment trop bien habillé pour faire ça. Mais c'est ça qui est fou. Tes vêtements ne méritaient pas ce sort. Est-ce qu'on ne demanderait pas un petit balai? Mais non, mais là, c'est hyper dangereux, mec. Non, on nettoie. Oui, il va y. Fuck that.
ce vlog. C'est quoi cette soirée? Que d'aventures, que de bêtises. J'ai le hockey, mais je voulais souhaiter une très très belle soirée à tous ceux qui regardent ce vlog avant d'aller me coucher, de me démaquiller et de me brosser les dents. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Faites des bêtises, mais nettoyez après. Faites attention à vous. Entourez-vous de gens qui vous font mal aux zygomatiques le soir en rentrant. C'est mon nouveau truc, ça c'est mal aux zygos. J'ai tellement rigolé ce soir, j'ai mal aux zygos. Donc je vous souhaite à tous d'avoir mal aux zygos. Et on se retrouve demain, on rentre à la maison, on est claqués. Ils m'ont tout pris entre les zozos et les toulousains, je n'ai plus rien à donner en termes d'énergie. On rentre à l'hôtel Mafouf, on va aller voir la famille. Et en attendant, moi je vous dis à demain. Ciao! 1, 2, 3... Flo range ses bonbons au frigo. Prenez pas en compte, mon frigo, il y a rien dedans, mais... Les bonbons au frigo, c'est un énorme classique, je croyais que tout le monde faisait ça. Mais voilà. Non. Les bonbons chauds, il n'y a rien de pire. C'est mou, ça colle, c'est dégueu. Tell me what you know about dreaming, dreaming. You don't really know about nothing, nothing. Tell me what you know about the night terrors every night. 5 a.m. cold sweats waking up to the sky.